Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce mardi 26 mars? Il est tout juste 9h42. Je suis réveillée depuis 8h30, je suis restée dans mon lit jusqu'à 9h, tranquillement, à répondre à vos coms. Et là, je suis au petit déjeuner. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai préparé mon carnet parce que j'ai des petites notes à noter de ce que je dois faire aujourd'hui. Normalement, attendez, une petite recette. C'était une grosse recette. Normalement, je ne dois pas sortir aujourd'hui, sauf pour aller à la pharmacie. Sinon, j'ai rien d'autre à faire pour aller me promener, pour faire des courses. Niette, il n'y a pas. Donc, je disais, je me suis réveillée à 8h30. J'ai resté juste dans mon lit jusqu'à 9h à répondre à vos commentaires. Je n'ai pas fini. Je vais finir. Là, je suis au petit déjeuner. Donc, je me suis fait une petite omelette. On va dire, c'est pas trop une omelette. C'est des œufs brouillés. Avec des dés de jambon qui me restaient. Vous savez, de mon gros jambon, là. Il me restait une petite tasse. Donc, je l'ai fait passer dans mes œufs brouillés. Un petit jus d'orange. J'ai pas envie de café aujourd'hui. Et avant ça, je vous ai filmé les faisselles pour faire les fromages frais. Donc là, je les ai préparés. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Franchement, j'en sais rien du tout. Parce que je ne sais pas trop comment procéder. Je sais qu'il faut mettre du sel pour enlever tout le petit lait et tout. Donc, et puis à force, il faut les retourner. Enfin, pas plusieurs fois dans la journée. Hein. Le lendemain, il faudra les retourner. Bien sûr, après, je vais les mettre au frigo. Hein. Il faudra les retourner, remettre du sel. Jusque tant qu'ils rétrécissent un petit peu et qu'ils forment vraiment, faut que ça soit compact, vous voyez. On verra ce que ça va donner, hein. De toute façon, des expériences, on réussit jamais la première fois, sauf si on a un coup de chance. Donc là, je dois noter pharmacie. C'est le plus important parce que c'est les médicaments de Vincent que je dois aller chercher parce que son ordonnance, elle est ici. Donc, je vais y aller. Ensuite, je dois faire une pizza. Je dois faire une soupe à la tomate. Je dois faire mon chou-fleur. Et à goûter, c'est-à-dire que j'ai envie de faire un petit gâteau. Voilà. Pharmacie, et après, c'est en cuisine. En cuisine, c'est très bien. Ensuite, aujourd'hui, pour la maison, j'aimerais faire ma salle de bain. C'est-à-dire ranger tous mes produits à moi. Parce que à chaque fois, je prends à l'étage, je descends, je le laisse. Je reprends un autre truc, je le descends. Bref, vous avez compris, hein? Donc après, ça se cumule et il y en a trop. Les carreaux. Ça, c'est obligé. Alors, c'est pour ça que je note tout ça, parce que comme j'ai du temps, enfin, ouais, j'ai du temps, j'ai rien à faire pour sortir, donc je m'occupe de la maison aujourd'hui. Et le linge. Voilà. Puis après, bah, les petites choses hein, de ranger, de rangement et tout, mais là, le plus gros, c'est ce que je dois faire aujourd'hui. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. Bon allez, je vais manger mes œufs brouillés parce que sinon ça va être froid. Hein. Et après manger des œufs froids, c'est pas très bon. Hein. Alors, moi j'aime bien quand c'est pas trop cuit. Hein. J'aime bien que c'est baveux. C'est trop bon.
Ah oui. Alors, bien sûr, dans la pizza, il faut que je fasse les poivrons. Je fais tout maison, hein. Pâte maison. Les légumes, c'est maison. Enfin, je veux dire que c'est pas surgelé. Poivrons frais. Je vais mettre des champignons frais. Et je vais voir s'il me reste des petites tranches de jambon ou quoi. Mais j'ai envie d'en faire une aussi avec des pommes de terre. Vous voyez, genre tartiflette et tout. Donc, je sais pas. Bon, je finis de déjeuner et je vous reprends après. Bon les amis, je vous reprends, il est presque 17h. Je viens de me lever. En fait, je me suis reposée un petit peu dans l'après-midi parce que j'ai eu un mal de tête, mais pas possible. Je sais pas ce que j'ai eu, j'en sais rien. Du coup, je me suis allongée, j'avais pris un médicament, je me suis allongée et je me suis endormie. Bon, j'ai quand même fait tout ce que j'avais à faire hein, depuis ce matin. J'ai préparé ma pizza en 4 quarts. J'ai préparé le repas du soir. Donc, j'ai fait le chou-fleur en salade. Avec, ça sera une côtelette. Parce que hier, on a mangé le bourguignon. Donc, on n'a pas fait la côtelette. Donc, ça sera pour ce soir. Avec la salade de chou-fleur. Et puis, moi, je sais pas, j'ai tout en soif là. J'ai trop envie de boire, mais. Ah, je peux pas trop non plus, donc il faut que je fasse attention, mais c'est très compliqué. J'essaye de compenser avec un bonbon à la menthe, mais c'est pas pareil quoi. Même si on prend un bonbon à la menthe, c'est quand même du sucre et ça donne soif. Franchement, quelle galère quoi. On peut pas profiter de boire comme ça. Bref, Julie, elle est partie chercher les médicaments de Vincent. Elle est partie chercher. Comment que ça s'appelle? Une lettre en recommandé et puis elle a préparé ses affaires parce que sa valise n'est toujours pas prête hein. Après ça va aller vite hein. Mais bon elle a fait du repassage tout à l'heure. Alors en parlant de repassage, vous vous rappelez la dernière fois tout mon linge que je devais repasser sur mes tabourets, et ben Julie me l'a fait, donc j'étais trop contente. Moi j'ai fait toute ma vaisselle ce matin parce que j'ai dû enlever toute ma vaisselle qui était au lave-vaisselle et elle n'était pas bien lavée. J'ai dû tout recommencer. Alors sûrement il manque du sel ou du liquide de rinçage. Donc je vais tout faire ça tout à l'heure. Je vais d'abord bien nettoyer mon lave-vaisselle et après je vais faire tout le remplissage. Mais du coup j'étais dégoûtée. Et pour pas refaire un tour de lave-vaisselle, j'ai dit allez, je fais à la main, c'est pas grave. On ne sait jamais si là ça lave pas. Déjà là j'étais dégoûtée parce que c'est de l'eau pour rien. J'espère que je vais pas tomber malade parce que comme Vincent avait été malade et je dis tous aussi, j'espère qu'ils vont pas me le refiler. Je regarde par là parce que Macho surveille à la fenêtre après Julie qu'elle arrive. Je vais manger un bout de pizza, là, puis un morceau de 4 quarts. La gourmande. J'avais faim. Quand je me réveille, j'ai faim. Alors, c'est trop bon. Hein. Franchement, j'ai trop bien travaillé aujourd'hui. J'ai cueilli mes petites jonquilles de mon jardin. Ça sent trop bon. J'en ai pas beaucoup, donc je dirais que je vais les cueillir. Sinon, après, ils vont faner. Donc. J'ai froid en plus. Bouf. Bouf. Bon, ben voilà. La journée se termine. Eric va pas tarder à rentrer.
Il va se boire son petit café avec un morceau de 4 quarts. Et puis, voilà. Alors, par contre, j'ai fait mes fromages frais. Enfin, je suis en train de les dégorger seulement. Vous savez, pour enlever le petit lait. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme petit lait? Alors, en vérité, une fois que tout le liquide a coulé, il reste que ça sur la faisselle. Donc, franchement, c'est de l'arnaque. Hein, il y a plus d'eau qu'autre chose. Mais bon, on verra ce que ça va donner demain. Enfin, demain, ouais, je pense que demain, ça sera bon. À voir. À voir si, quand je vais tâter s'il y a encore de l'eau, parce qu'il faut que ça soit bien sec et puis compact. Si je vois qu'il y a encore un peu de petit lait à l'intérieur. Enfin, je dis du petit lait, mais c'est plus de l'eau en vérité. Hein. Parce que ça dégorge avec le sel. Donc, ouais. C'est vraiment de l'arnaque. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Je vais tenter. Et... Alors, j'ai goûté mon premier kéfir. Alors, c'est vrai que je l'avais laissé fermenter plus longtemps. Je l'avais laissé fermenter 48 heures. Alors, ça a bien fermenté. Hein. J'ai des bulles. Ça goûte bière quand même. Hein. C'est bizarre. Hein. Je sais pas si je dois avoir le goût là. J'en sais rien. Mais le kéfir que j'ai fait hier... Du coup, ça y est, je l'ai enlevé, parce que ça fait 24 heures. Je n'ai pas attendu trop longtemps. Enfin, j'ai attendu que les 24 heures. Et là, je l'ai déjà mis en bouteille et j'ai mis du sirop de citron. Donc, on verra ce que ça va donner. Je vais faire goûter à Eric ce soir l'ancien kéfir, voir s'il aime. Moi, j'aime bien. Enfin, je ne sais pas, c'est la fermentation, elle est forte. Donc, un verre par jour, je pense que ce sera bon pour moi. Mais pas plus. C'est, je sais pas si c'est normal qu'il y ait une fermentation comme ça. Mais je m'attendais pas à ce goût, en fait. Bon, je vais voir. De toute façon, je vais encore en refaire, hein, mais... Faut le temps que je me mets, que je trouve bien la recette, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas, mais bon, c'est pas mauvais, hein. On verra bien. Bon, allez, je vais me remettre dans le canapé parce que j'ai froid. J'ai tâté, hein, je fais pas de fièvre, hein. Mais je me sens patraque. Des courbatures. J'espère que ça ira. Dehors, il fait pas chaud. Hein. Il y a du vent, il caille quand même. Et du coup, moi, je suis bien à ma maison aujourd'hui. Ça, il m'a fait peur. La Julie. Ça fait du bien de ne pas sortir en vérité. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Bon, voilà les amis. La valise à Julie est prête. La valise à Julie, le sac à Vincent, enfin c'est sac pour c'est la valise pour Vincent et Julie. Hein. Donc elle vient de peser sur la balance et elle a 25 kilos tout pile. Elle a trop géré. Bon les amis, je vous reprends tard. Il est 21h46. Je n'ai pas encore fait le montage. Je vais seulement le faire. Donc je voulais finir ce vlog avec vous. Il est tard, c'est parce que j'ai été ramener mes enfants chez Amélie pour qu'ils partent leur voyage demain. Donc ça me fait bizarre, ils sont tous partis, enfin ouais, entre guillemets, hein, ils seront partis que cette nuit. Ils partent à 4h du matin de chez Amélie. Hein. Donc là moi je vais seulement manger parce que j'ai pas mangé. Donc, je vais manger ma salade de chou-fleur avec une côte de porc. Et puis après, la douche et après, le repos. Un petit dodo encore. Voilà, parce que demain, c'est la séance. J'espère que ça va aller. Je vais être stressée parce que tant qu'ils ne m'auront pas appelé, eh ben ça ne va pas aller. Hein. Je ne sais pas si je vais dormir là-bas. Donc, je pense que demain, l'après-midi, ça va être difficile, surtout si je ne dors pas pendant la séance. Allez. Je vais me dépêcher parce que je dois faire encore le montage, encore du travail. Et oui, c'est pas tout repos. Hein. Mais bon, je le fais avec bon cœur. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous. Un bon appétit à vous. À demain. Ciao.